Comment ennuyer? Eh bien, moi, saluer tous les amis qui ont regardé vidéo ça. Yon jou, yon histoire, un conseil avec psychologue Simon. Pas oublier abonner qu'on y a même dans la chaîne YouTube moi pour capable suivre toutes vidéos que nous avons pour nous poster. Chaque fois que nous postons une vidéo, de pour cliquer sur cette cloche là, vous avez une notification qui dit yon jou, yon histoire, poster une vidéo. Eh bien, je dis, nous pas parler de burn-out. Burn-out, qui ça burn-out là? Burn-out là, c'est un épuisement professionnel, un syndrome d'épuisement professionnel, eh bien, un épuisement état physique et mental de façon intense. Épuisement physique, mental, façon intense. Ça veut dire burn-out là, il y a un rapport avec le travail. Mais ce n'est pas seulement les gens qui travaillent qui souffrent de burn-out. Il y a des gens qui l'école, qui dans l'université, qui ont un épuisement physique et mental de façon intense. Ils appellent ça burn-out. Mais burn-out là, parfois, il peut sembler avec dépression. Et il y a un autre thème encore nous avons pour nous parler dans l'autre vidéo, nous avons pour nous poster pour vous-même. On a parlé de dépression, nous avons pour nous parler de burn-out, nous avons pour nous parler de burn-out. Dans l'autre vidéo qui vient tirer semblance, eh bien, nous allons nous parler de vous. Mais burn-out là même, lui-même c'est il y a un rapport avec travail, tandis que dépression pas un rapport avec travail, il y a influencé du travail là tout. Mais burn-out là même il y a un rapport avec travail. Et dans burn-out là, nous ouais, libération est faible. Des libérations des quantités de cortisol. Hormone cortisol là, n'est pas libéré en pile dans burn-out là. Tandis que dans dépression, on joue en pile libération des hormones cortisol là. Eh bien, burn-out là, qui cause? Il y a en pile cause. Cause en pile, il varie par rapport à chaque individu. Mais il y a un monde qui souffre de stress chronique. Moun sa gen plus facilité pour le souffrir de burn-out. Yon stress qui toujours qui dure longtemps. Yon stress qui toujours là. Qui pas jamais passé. Ou toujours stressé, 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 li pas jamais réduit. Il finit dans la phase chronique. Ou gen plus risque pour qu'il souffre de burn-out. Kon sa tou, yon moun qui gen yon tâche élevée, yon pile travail qui a fait, yon pile responsabilité dans le travail ou. Ou bien en pile risque tout pour capable souffrir de burn-out. Ça c'est point commun qui gagne parce que normalement cause en pile mais gagne point commun aux jeunes dans monde qui souffre de burn-out yo, les plus souvent sont monde qui gagne un stress chronique, un monde qui gagne en pile responsabilité dans le travail. C'est un monde tout qui côté gagne en pile tension, gagne en pile pression dans le travail là, gagne en pile exigence dans le travail ça. Côté parfois il y a un manque de communication avec collègues de travail yo. Côté moun sa ou pas travailler en équipe, il y a pression, il y a exigence, soit bon côté moun kap dirige, y a bon en pile exigence. Et c'est pas seulement simple employé yo qui kap souffre burn-out. Le plus souvent il y a un gros dirigeant yo kon tellement stressé, tellement gen responsabilité, et bien yo kon souffri de burn-out. Et pour qu'un moun sa a un comportement li vin affiché dans le travail là, ou pas le moun sa li gen un épuisement physique et mental. Eh bien, gen, nous parlons de cause yo, yo en pile, mais gen point commun, nous bon point commun qui gen nan cause yo, kon sa tou, gen côté symptômes physiques yo, gen symptômes émotifs. Et il y a un symptôme intellectuel. Symptôme physique, là, on peut avoir une douleur, soit un mot de tête, migraine, soit une douleur dans la ceinture, ou bien l'autre douleur encore, on peut avoir senti. Constatons, on peut avoir une fatigue intense. On a une fatigue qui intense. Tout ça, c'est un symptôme physique que on est capable de sentir. Il y a un pile l'autre symptôme physique que on est capable senti côté yon moun ki
burn out, côté son monde qui est vraiment épuisé, ni physique, ni mental. Qu'on y a, monde ça tout, dans symptômes émotifs, ou car après, monde ça a une culpabilité là, il a culpabilisé tête lui. Il a culpabilisé tête lui. Côté, même monde ça encore, vin gagne un sentiment d'abandon. Il a envie d'abandonner, senti qu'il n'est pas capable encore. Même monde ça encore, vin très pessimisme. Vin pessimisme, moun sa qui a souffri de burn-out là tout. Li kap nan travay li an, se koz, se yon sot de, yon chef nan travay la tout, ki fet de proposisyon, yon aselman psikolojik, de proposisyon ki yon mab nan travay la te fel, e pi yon aselman ki fet soit an echange, et puis tout ça est capable, c'est origine, c'est cause. Eh bien, nous parlons des symptômes physiques, symptômes émotifs, côté monde ça capable en colère, capable d'une agressivité là, car il voit son monde qui était tranquille, mais à cause de tellement burn-out là, il est envahi, il est épuisé physiquement et mentalement, qu'on y a monde ça capable d'une agressivité là, car il devient agressif, il devient en colère pour rien. Ou après il explose sur employé yo, il fâche avec employé yo, n'importe qui bagaille, il fâche, il explose, fait colère. Comme ça tout gain employé tout si c'est employé qui souffre de burn-out là tout, il y a des comportements qui anormal que elle gain avec client yo. Si c'est un dirigeant ou elle gain un comportement qui anormal avec client ou bien avec un employé dans travail là. Et bien tout ça aussi symptôme de burn-out côté qu'a jeune des symptômes intellectuels, là, quand jeune, Mounsa a commencé à perdre mémoire, l'a oublié, l'empile d'informations qu'il a oublié, qu'il n'a pas songé, tandis qu'il a pile le temps dans travailler ça, il a pile l'expérience, l'a oublié l'information. Côté, ouais, Mounsa a en confusion, il vient en indécision, il vient indécis, il par contre qui ça pour le faire, qui décision pour le prendre dans telle situation, tandis qu'avant, il n'est pas comme ça, il vient en confusion. La Kali, tout ça, c'est symptômes intellectuels. Symptômes en pile, d'abord en résumé, ça qui est essentiel pour qu'on ait. Côté, nous, capable parler de, nous parlons des causes qui en pile, mais il y a un point commun, nous parlons des symptômes, qu'on a, nous parlons des facteurs de risque et complications. Si toutefois, il n'y a pas traité burn-out là, ou pas chercher traitement pour lui, ou bien on néglige le. Qu'on y a, imaginez ou t'es un burn-out déjà, qu'on y a, ou vient un facteur qui vient entrer, qui vient compliquer la situation, par exemple, yon séparation, yon moun qui séparé avec mari ou avec madame ou avec ménage ou pas compliquer la situation, yon moun qui yon deuil, qui était déjà burn-out déjà, ou vient un deuil, ou bien en séparation, n'importe quoi avec quelqu'un hier. Il a vu tomber en dépression majeure. Mounsa, qui souffre de burn-out, il a vu tomber en dépression majeure pour une compliquée situation qu'on y a. Eh bien, traitement, l'important pour Mounsa, consulter. Eh bien, il ne pas demander pour Mounsa prendre un congé de maladie. Congé de maladie, Mounsa ne peut pas travailler dans un moment. Il faut lui aider à prendre soin. Il est capable de prescrire anxiolytique, antidépresseur, anxiolytique, antidépresseur, ou bien les somnifères, et bien qu'on s'attend de suivre la thérapie qu'on a. Thérapie psychologique, thérapie cognitive ou comportementale, thérapie cognitive ou comportementale. Là, va y suivre, il va suivre en groupe ou bien individuel. Ça dépend des besoins. Et bien, qu'on s'attend, on parle de prévention. Ou de faire prévention. Prévention, c'est le plus important. Dans toute barrière, c'est prévention. Comment on peut éviter. Important, ou qu'on ait travail, ou de bailler pause. Dans travail, la bail pause, ou de prendre pause. Il y a un monde qui travaille, ou mettre bail pause là. Puis, on a dit c'est bon emploi avec lui, il continue à travailler. Puis, on a dit c'est plus bon emploi avec lui, il continue à travailler, il n'y a pas jamais prendre pause. Il n'y a pas bon pour, ou de prendre pause. Pour respirer un peu. Pour prendre
yon not l'air pour prendre énergie, pour manger, pour boire de l'eau, pour alimenter quoi. Parce que quoi, pas un robot, même robot, même, il y a un moment où il commence à travailler, il commence à décharger, il n'y a pas d'énergie encore, parce que ça veut courant il travaille, il faut recharger encore. Ça veut dire son pause de quand même, pour prendre pause là. Travail là, bah, vacances, chaque année, ou qu'on vacances. Vous payez vacances, ça. Bah, on est si vous ne payez pas beaucoup de là, mais vous payez normalement, généralement, vous payez. Eh bien, en pile moun, malgré qu'on a payé vacances, il continue de travailler, il y a 2-3 ans, il y a 10 ans par exemple pour vacances. Ou supposé pour vacances. Année, chaque année, vous avez vacances, vous devez prendre vacances, ou relaxer, reposer, et bien, pour capable préparer encore pour l'année prochaine, pour paraître en force, pour venir travailler. Eh bien, vous devez prendre vacances, vous devez reposer. Eh bien, vous devez quitter temps pour tête ou pour famille. Même si vous travaillez en pile, toujours quitter un petit temps pour tête, pour regarder la télévision, pour visiter un côté, pour sortir, pour faire tout plaisir, pour faire l'autre activité en dehors du travail là, qui est important. Ou de faire exercice. Ou de faire exercice, qui est important pour vous-même, qui est important pour santé. Eh bien, gens qui vont manger à tout, ils ont équilibre alimentaire. Gens qui vont manger, de manger en façon équilibrée. Ce n'est pas manger en qualité. C'est pas manger en quantité, c'est en qualité pour manger. C'est qualité qui est importante, c'est pas quantité. Eh bien, éviter point alcool en excès, éviter point tabac, éviter point l'autre bagarre encore qui a nuit santé. Ça a aidé en pile parce que pour faire prévention contre burn-out. Si vous avez un problème dans le travail là, avec un employé ou un dirigeant, pas qu'un problème là pour vous-même. C'est pour parler ensemble avec yo, expliquer yo ça qui pas fait au plaisir, ça pas fort bien exprimer sentiment. L'aucun bel pour ou, on va souffrir en pile, ça va affecter vie ou ça va le faire ou pas qu'à vivre bien, ou qu'à venir à vivre avec une rancune ou sentir qu'il y a un monde qui est sous cœur, on va souffrir plus toujours. Eh bien, burn-out là, il existe dans tout le monde, surtout dans les pays qui industrialisé, les pays qui développé, qui avancé, côté grand pile pression, grand pile exigence dans le travail, pour produire, produire tout le temps, tant que son machine, eh bien, on sait à tout, on vient plus tension, plus stress, eh bien, on est malade plus. Tant que, il y a une étude qui est faite au Canada, côté 25 à 50% dans l'emploi, yo soufri yon joun an vie yo soufri de burn-out. Eh bien, côté ça va dépendre dans qui milieu qui va travailler. Gen milieu gen travail qui baye plus stress que l'autre. On moun ka travaille dans santé, li ba en pile stress. On moun ka travaille dans factory, il ba en pile stress parce que gen pile pression pour produire. Nan, chaque domaine ou a joun yon stress, ou a joun yon bagay ki stressé ou. Imagine ou, sou pa chèche façon pour retirer stress ça. Pour décompresser, pour quitter temps pour tête, pour faire tout plaisir, pour chiter à la caille ou un jour, même si 30 minutes ou bien une heure, pour garder un programme de télévision qui aurait mis en pile, pour faire tout plaisir, pour faire un petit sortie, ou faire un petit visite, ou faire un parc, ou faire un petit promenade. C'est important pour déconnecter, pour décompresser. Tout le temps, c'est travail, ou pas jamais quitter temps pour tête, pour faire tout plaisir. Non, faut faire tout plaisir. Travail a important, c'est vrai, mais faut quitter petit temps tout pour faire tout plaisir. Sous travail, faut qu'on ait un petit coup m'a retiré pour faire tête moins plaisir, pour me prendre vacances moins, pour me relaxer, pour me vivre. Et bien, si vous pas fait ça, ou focus seulement sur travail là, ou considérer travail là c'est le plus important dans vie ou. Parfois qu'on oublie famille pour travailler, ou travailler, faire comme, ou faire comme, c'est vrai. Ou pas jouer comme là. Ou pas quitter temps pour famille. Ou pas travailler la première place dans la vie. Ou. C'est le plus important pour travailler là, important. Puis lui, parce que sans travail, on ne peut pas vivre bien. Faut payer bill. Mais faut que vous connaissez sans santé. De vous pas gain santé, ou pas qu'à travailler. Faut gain santé d'abord. Parce que santé, c'est de qui avant travail là. Famille là, tout. Travail est important pour aider les familles. Mais si toutefois, tu travailles tout le temps, ou as gagné un travail, c'est vrai, ou as perdu la famille. Attention. Petit conseil, ça a été pour vous. Mettez-vous en pratique. Burnout, il existe.
Dans tout pays dans le monde, là, en pile pression, surtout j'entends venir qu'on y a, venir plus pression toujours, venir plus monde, ou venir travailler plus, ou venir reposer moins, ou venir pas de loisirs, et bien tout ça, ou venir créer plus stress, et bien burn-out là, a venir envahir, ou sentir épuisé, ou sentir brûlé, et bien laisse aller. T'as aussi un monde où était qu'on tombé parce que ou pas qu'à résister encore. Symptômes avec signes qui paraît là, qui viennent former un syndrome épuisement, eh bien, c'est à cause, c'est quoi pas qu'à résister encore. Quoi pas qu'à résister encore, il a besoin de repos, il est fatigué physiquement, mentalement, il est fatigué, eh bien, l'idiot n'est pas capable encore. Il a besoin de repos, il a besoin de support pour chercher aide, pour chercher. Pour joindre une solution ou consulter, pas arrêter, pas négliger burn-out là, sous négliger la situation capable d'aggraver. Pas oublier abonner dans la chaîne YouTube moins, abonner, cliquez sur petite cloche là, ou joindre une notification parce qu'il y a une pile vidéo intéressante que nous postons déjà et nous venons pour nous poster toujours parce qu'il y a une pile bel thème m'a posté pour KPDO pour comprendre la vie. Pour comprendre santé, ses priorités, l'important pour vous-même, comment pour faire prévention, comment pour gérer, parce que prévention, c'est dit qu'avant toute bagaille, si vous faites prévention, il y a plus de bagaille que vous pouvez éviter. Même si il y a des bagailles qui peuvent toujours attaquer, en tant qu'humain, c'est normal, vous êtes toujours malade. Mais lorsqu'on a prévention pour faire, vous pouvez éviter ou réduire en pile bagaille qui peut arriver. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu protège vous. Partagez vidéo ça pour plus de monde. Capable de tendre conseil.